On est parti sur l'épisode 2. On n'oublie pas le hashtag oupsidiallergie dans les commentaires parce que là, on est pas mal, on est entouré de pollen. Mais c'est pas grave. Alors, ce qui nous reste à faire pour cette étape-là, c'est les coffrages et étaler le gravier. Malheureusement, j'ai un copain qui s'appelle Florian qui devait venir m'aider pour les coffrages. Il s'est fait très mal au pied, il s'est enfoncé un bout de verre dans le pied. Du coup, on va pas pouvoir le faire à deux, mais c'est pas grave, je vais me concentrer et on va faire ça tout seul. J'ai un feutre là parce que je me suis rendu compte que dans le premier épisode, c'était pas clair quand je vous demandais un trapèze ou un rectangle, etc. Donc, je vais vous montrer ce que j'avais en tête quand je vous ai dit si c'est un rectangle, il fait cette taille-là, si c'est un trapèze, il fait cette taille-là. Donc, je vais vous montrer. Je me suis préparé un plan. Enfin, il est pas fait, mais je vais vous expliquer. Le plan initial, c'était que ça fasse un trapèze, donc 8 là, 6 là, comme ça, avec le panier ici, ok? Et là, donc ça devait faire 6 et 8, ce qui fait en tout 70 mètres carrés. Je vous fais le calcul rapide pour calculer la superficie. Tu fais ça plus ça divisé par 2 fois ça. Donc ça fait 8 plus 6, on est à 14 divisé par 2, ça fait 7 fois 10, parce que là, il y a 10 mètres. Et ça nous donne 70 mètres carrés. Le béton que j'ai commandé, je l'ai commandé pour que ça remplisse 70 mètres carrés. Donc je m'étais dit, si je veux que ça fasse un rectangle, on a toujours notre trapèze comme ça, mais si je veux que ça fasse un rectangle, automatiquement ça va rajouter des mètres carrés, d'accord? Donc il faut réduire un petit peu la longueur. Donc là on aurait dû aller que jusqu'à 9 et pas 10. Ce qui fait qu'on avait un rectangle qui faisait comme ça. On était à 72 mètres carrés. Le truc, c'est que je me dis, c'est dommage de ne pas utiliser toute la surface qu'on a creusée. Donc, peut-être que ça fera un terrain au prix d'un iPhone qui est un petit peu plus cher, un iPhone avec pas mal de mémoire, qu'on aura un terrain qui fera 8 sur 10, ce qui sera beaucoup mieux pour jouer. Donc, on verra le prix que ça fera. Je pense que ça va être d'autant plus facile pour les coffrages, etc. Et ouais, je pense que ça va être bien. Ce sera peut-être un petit peu hors budget, mais je me dis, j'ai pas plusieurs chances de faire cette dalle, donc... On verra à la fin, et puis si ça dépasse un petit peu, bah, j'aurais pas réussi à le faire au prix d'un iPhone, mais on sera toujours, je pense, en dessous des 2000 euros, ça c'est sûr. Donc, pour vous expliquer rapidement ce que c'est que le coffrage, en gros, là, nous, on a fait nos trous. Donc là, vous voyez le terrain de manière horizontale. Nous, on a fait nos trous, et dans ce trou-là, donc on a fait plus large que ce que va être le terrain, on doit avoir nos 8 mètres de large, qui vont être haut de 20 cm. Donc c'est la hauteur d'une planche de coffrage. Donc le coffrage, c'est une espèce de coffre qu'on va faire autour pour couler le béton, pour pas qu'il aille partout. On va mettre des limites, des barrières quoi. Sur ces 20 cm là, on a 10 cm de gravier et 10 cm de béton qui seront coulés ensuite. Le problème, c'est qu'il faut que ce soit coulé parfaitement là. Donc il faut qu'on ait parfaitement 10 cm là et que tout soit au niveau. Et le niveau, il va pas être exactement droit parce qu'il faut qu'on ait une petite pente pour l'évacuation de l'eau. Donc il faut que ce soit un petit peu plus haut ici, de 1 cm par mètre. Donc là, on aura 8 cm de différence entre les deux coffrages. Enfin, c'est toute une histoire. Ça va être intéressant à faire, mais peut-être un peu dur tout seul. On va voir. En tout cas, là, c'est retracer mon périmètre, poser les planches, les mettre à niveau et vérifier que mes angles seront bien droits. Donc, je vais vous expliquer un petit peu plus tard la méthode du 3-4-5. C'est un truc que j'ai vu dans les nombreuses vidéos que j'ai regardées, des tutos pour comment faire des coffrages, comment faire une dalle, etc. J'ai mangé ça pendant 2 semaines non-stop. Il y a une vraie communauté de maçons sur YouTube. Vraiment, hein, elle est sous-estimée, mais il y a une vraie communauté. Donc tout à l'heure, je vous expliquerai la méthode du 3-4-5 pour avoir des angles parfaitement droits. Eh, moi, je fais de la guitare ou quoi? Et donc là, c'est une planche de 20 cm qui fait pile la hauteur de ce qu'on veut comme coffrage. On aura 10 cm de cailloux et 10 cm de béton. Le problème, c'est que là, j'ai des planches, bon, elles dépassent l'écran, elles font 3 mètres. Et on a des côtés de 10 mètres et des côtés de 8 mètres. Donc automatiquement, il va falloir que je relie des planches entre elles avant même de prendre mes mesures. Donc on est parti pour faire 2 planches de 10 mètres et 2 planches de 8 mètres. Ça va être compliqué. Hein. Et tout seul, Samy, t'es où? Parce que tout seul, c'est gravement marrant. Hein. Donc là, on a 6 mètres. Parce que c'est des trucs de 3 qui nous manquent. Oui. Mais j'ai jamais 10 mètres, en fait. Les plans que vous avez vus au début, ils vont pas être bons. Hein. Déjà qu'ils étaient pas beaux, mais en plus ils vont pas être bons. Ça, c'est les erreurs de débutants de base. Hein. Est-ce que je suis un débutant de base? Absolument. Je vais remesurer. Hop. Non, mais voilà, c'est ça les. Samy, t'es où? Ah ouais. Voilà, je suis à 10 mètres par exemple. Du coup, ça va peut-être faire un peu moins. Je crois qu'on. Eh, on va faire 9 mètres 50, je crois, parce que. Là, je vais être un peu juste. Je pense qu'on va faire comme ça. Ou alors, faut que je... Ah ouais, non, mais ça veut dire faut que je me tape toute la bordure. Non, non, on va faire 9 mètres 50. Hein. Il n'est pas commandé le béton, vous inquiétez pas. Hein. On va faire 9 mètres 50 sur 7 mètres 50. Ça va être mieux.
Ah mais attends, faut que je recalcule tous mes coffrages. Ok, donc je sais ce qu'on va faire. Vu que nos planches elles font 3 mètres, sur la longueur on va mettre 3 planches à la suite, comme ça on n'a pas à les couper. On va mettre 7,50 m sur le côté. Les plans que vous avez vus au début, rien à voir. Mais c'est pas grave, on évolue avec le truc parce qu'en fait c'est une butte de terre, donc on est obligé de faire avec ce qu'il y a. Donc on a creusé au maximum des bordures, mais après en fait elle va un peu s'écrouler, donc là on est un peu au max. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va faire 3 planches de 3 sur les côtés, et en largeur on va mettre 7,50 m, ce qui fait qu'on a besoin de 2 planches et demi, donc on a juste à les couper par leur milieu. Ça me va bien, ça c'est bien ça. Et voilà, parce que je pense que je vais avoir... Bon là ça tombe bien, je pense que je vais avoir besoin de recreuser un petit peu pour refaire un peu les bordures, mais c'est pas grave, faut déjà que j'ai toutes mes planches, que je fasse pas de bêtises. Donc là il m'en faut 2 et demi, une, tac... Une cheville en moins, nickel. Ça fait 2. Et là, ça fait une demi. Ça doit faire 1,50 m là. Donc pour l'instant, il faut juste que je coupe les planches en 2. Donc il va en falloir. Oh non, c'est bon, je coupe la moitié là, je la remets là-bas. Nickel. Super. Champion 2002 de Tetris. Eh, hey, mais non, tu me piques pas mes trucs, toi. C'est pour. Eh hey, c'est pour mes trucs. Eh, hey, il me pique trop mes trucs. C'est mes piquets, vous vous souvenez dans l'épisode 1, on a mis des petits piquets avec Samy, on les a retirés pour l'appel. Tiens, je suis gentil, hein, mais... On va se mettre là-dessus. Faut savoir, ça vous le saviez pas, hein. C'était dans les 5 choses à savoir que j'avais donné à Eddy, et il a jamais publié encore les 5 choses à savoir sur les influenceurs qui le côtoient, mais j'ai une phobie des lames, tout ce qui coupe et tout, j'aime pas ça. La tronçonneuse, c'est pas ce que je préfère, quoi. Hop. Oh que j'aime pas ça. Il n'y a pas d'électricité là-bas. Bon, donc là-bas, je voulais le faire à la tronçonneuse, mais ça marche pas. Du coup, je sais pas pourquoi ça marche pas, mais on va le faire à la scie, à l'ancienne. Hop. On va se mettre comme ça. Voilà. Là, je mets une planche pour vérifier qu'elles sont bien à exactement la même hauteur et deux niveaux. Et puis, je les relie ensemble. En vrai, j'aimerais pas trop que ça traverse. Et là, on y est pile. Nickel. J'ai un truc dans l'œil. Bon, alors, changement de programme. Bon, déjà, il est tard et j'ai un truc dans l'œil, donc c'est un peu handicapant. Mais je vais pas mettre les planches qui sont là parce que demain, on me livre les cailloux qui vont aller là où il y a la croix bleue que vous voyez là. Donc, pour l'instant, je suis juste en train de définir le niveau de ma largeur. Quand je dis le niveau, il faut que ce soit un petit peu en pente quand même. Donc, j'essaie de régler ça pour ensuite caler tout dessus. C'est assez fastidieux, mais ce sera plus facile quand il y aura les cailloux parce que je pourrais fermer tout, quoi. Parce que là, en fait, je travaille un petit peu dans le vide. Donc on se retrouve demain matin pour la livraison de cailloux. Donc quand on va se retrouver, il y aura un énorme tas ici. Et on aura la journée pour essayer de réussir ce coffrage. C'est pas facile, hein, parce qu'en fait, je sais pas si mon sol en bas, il est vraiment droit. Et mon niveau, il fait pas toute la largeur du terrain, donc c'est pas évident. Voilà. Bon, les gars, comme vous pouvez le voir, j'ai encore des allergies. C'est arrivé dans les yeux, c'est parfait. Mais c'est pas grave, on s'en fiche. Un gros tas de cailloux qui est arrivé. Donc ça veut dire que je vais pouvoir fermer le coffrage. J'ai commencé à mettre une petite planche que j'ai mis bien droite pour m'équilibrer sur tout le reste. Je suis tout seul à le faire, donc je vais pas pouvoir tout filmer. Mais on se retrouve quand ce sera fait. Cet après-midi, j'ai des copains qui viennent m'aider à étaler tout ça sur 10 cm, comme je vous le disais hier. Et après, ça commencera un petit peu à prendre forme. N'oublie pas, oupsie d'allergie dans les commentaires. Donc là, j'ai ma première planche de coffrage. Tout est à peu près à niveau. Avec la petite pente qu'il faut. Bon, j'ai une petite torsion là-bas, je vais régler ça. Et l'idée, ça va être de la prolonger là, là-bas, et revenir là. Alors, la règle du 3, 4, 5, c'est très très simple, c'est ni plus ni moins que le théorème de Pythagore, pour ceux qui s'en souviennent. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme du carré des deux côtés. Donc, si j'ai un côté de 3 ici et un côté de 4 ici, ça nous fait un carré de 9 et un carré de 16. 16 et 9, ça fait 25, ça veut dire que la racine carrée de 25, c'est 5, donc on aura 3, 4, 5. Sauf que moi, je vais multiplier toutes les valeurs par 30. Donc, 3 fois 30, ça fait 90, 4 fois 30, ça fait 120. Ça veut dire qu'il faut que j'ai une hypoténuse de 1,50 m. Donc on est parti pour mesurer. Je mets un petit trait, hop. Et là, il va falloir ajuster les planches pour qu'entre là et là, il y ait 1,50 m. Là, par exemple, on n'est pas tout à fait... Il va falloir ouvrir un petit peu. Et là, normalement, on est pas mal. J'en peux plus des allergies, les copains. J'en ai marre. 1,50 m, parfait.
Bon les gars, ça fait 4 heures que je suis dessus, j'ai commencé vers 8 heures, il est midi et demi même, il est midi et demi. Donc là en gros, j'ai mis tout le coffrage, il tient en quasiment une seule pièce. Tout est à peu près d'équerre avec le niveau de la pente, etc. On est pas mal. Donc nous, on va se retrouver cet après-midi avec Lucas et Yacine pour étaler tout le tas. Et moi, d'ici cet après-midi, j'aurai remis de la terre sous les planches pour pas que le béton passe en dessous. Parce que le tas de cailloux, on va l'étaler, mais pas jusqu'au bord. C'est-à-dire que le béton doit arriver au-dessus et taper les planches. Comme ça, il va enfermer le tas de cailloux. Bon, moi, je suis tout seul. Samy, il est reparti, mais je vais continuer à remettre de la terre là où il faut, etc. Le renfort est arrivé, il manque Yacine. Oui. Il est où? Bah, il est au garage apparemment. Bah, Yacine est au garage, du coup c'est pareil, on va le faire à deux. On est parti pour étaler, il y a 13 tonnes de cailloux. Non mais par contre on a grave oublié de présenter Lucas, hein, parce que vous avez reconnu le t-shirt, hein. C'est pas un abonné d'hier. Hein. C'était quand la vidéo qu'on a fait? C'était fin d'année, il y a 2 ans. On est à un terrain avec Lucas qui était avec moi en option basket il y a plus de 10 ans. Ceux qui étaient là à mon anniversaire à Levallois, il était déjà là. Mon anniversaire à la Houssactory, il y a 2 ans et demi, je crois, il était déjà là. Et comme il habite près de chez mes parents, et ben on est parti. Voilà. Et je prendrai plus au plus haut, moi. Ou alors, on se met tous les deux du même côté. Moi, je te pousse et toi, tu tires. Et moi, je ramène. Ouais, je pense. Mais du coup, là, juste le souci, c'est que je voulais faire la peinture et tout, stylé. Ouais. Mais le truc, c'est qu'il faut attendre 1 cm, enfin une semaine par centimètre d'épaisseur pour que ça sèche. Ouais. Et mettre la peinture avant, ça va cloquer parce que tout va remonter. Mm. Donc la peinture, elle sera qu'en août, mais bon, ça fera un épisode en plus. Bah ouais. Voilà, petit exclu. La peinture, on la fera qu'au mois d'août. Tu sais où est-ce que tu vas mettre le panier? Il est là. Là, là? Ouais. Ouais, parce que je préfère avoir du range. Bah bien sûr. Ah oui! Autre chose, vous savez, dans la première vidéo, je vous ai parlé d'une cagnotte. En gros, j'ai une cagnotte dans les commentaires qui va pas servir à financer le terrain parce qu'il est déjà financé et pas forcément qui va servir ma chaîne. Mais l'idée, c'est de faire vraiment une cagnotte qui va permettre de faire venir les gens de Paris pour les tournages, etc. D'accord. Et j'ai une idée. Tu te souviens, l'année dernière, j'ai fait mon truc à Levallois. Ouais. Et là, faut que je regarde, j'ai pas encore regardé les prix et je sais pas combien il y aura sur la cagnotte, mais c'est de faire venir un car, comme un car scolaire, de gens de Paris pour mon anniversaire. Oh, ok, ici. Ici. Ouais, je pense que ça peut être très très cool, on se met un barbecue. Bah de ouf. Ça peut être trop bien, ça peut vraiment être bien. Une petite tonnelle. Donc à tous mes copains de Paris, sachez que le 30 juillet, on sera peut-être ici en train de jouer. Si on n'a pas raté le coffrage et si tout va bien. Mais ouais, ça pourrait être trop lourd. Bah ouais, franchement, ça serait trop bizarre clairement. De voir tous mes potes youtubeurs ici. Ouais. Mais le cadre, il est trop bien. Bah, enfin, le cadre, il est stylé, franchement. T'es en pleine nature, c'est le bonheur. Donc on verra ça. Ça dépend poissons. Que de vous. Mais surtout, je l'ai dit dans le premier épisode, si vous n'avez pas de sous, gardez-les. On n'a pas besoin de cet argent, c'est juste du bonus. Si on en a, c'est très bien. On profitera encore plus du terrain, on fera plus de vidéos. Sinon, c'est pas grave. Après, je pense que la hauteur... En vrai, vaut mieux qu'on la gère après. Ouais, ouais. Vaut mieux qu'on délimite comme on a fait là, ouais. Partout. Et qu'ensuite, qu'on les corrige. T'as raison. Vous avez vu un accéléré normalement de tout ce qu'on a fait au niveau du tas. On a essayé de s'étaler au maximum, il reste encore quelques finitions. Nous on va se retrouver dans l'épisode 3, parce que c'est la fin de l'épisode 2, vous l'aurez compris. Pour rappel, vous avez la petite cagnotte si vous voulez encourager nos petits coups de pelle et nos ampoules. Je vous promets qu'on fera venir un maximum d'invités sur ce terrain. Lucas le premier évidemment, puisqu'il aura mis du cœur à l'ouvrage. Merci Lucas pour ton aide. Vous retrouverez certainement Lucas le jour où on mettra le béton. Et dans l'épisode 3, il faudra mettre les joints de dilatation, je vous expliquerai ce que c'est. Il faudra les sceller avec du béton. Vous verrez ça dans le prochain épisode, j'espère. On va se reposer un petit peu, on se retrouve dans l'épisode 3. Salut les amis. J'ai toujours des allergies. Yes.